Avec Corée. Avec ça? Avec Corée, si monsieur fait ça, il a fait un pile quoi. Pour payer. Bon. Vous trouvez que contre la Corée, il y a un problème là? Bon, moi je dis que tu as ça. Qui prie qu'il aura de Corée? Bah, on va connaître. Oh! Pourquoi le prix qu'il aura de parce que je ne vais pas obligé de ne pas il n'y a pas de monde qui contrôle. Pour pas contrôler pour Corée. Vous dites Corée, on parle contre non, t'as vu. Non, il y a un contrat avec le Venezuela. Il y a un contrat avec le Venezuela. Parce que vous posez à l'État ici. Même travail, vous faites pour ce génère. Vous ne faites pas pour Corée. Écoutez, il y a un problème, monsieur. C'est propriété privée, même pas Corée. Tellement une seconde. Tu as gagné. C'est qui ça, monsieur? Propriété privée, même pas Corée. Corée? Oui. Même pas d'actionnaire. De Corée? Oui. Vénézuélien, une grande majorité. L'État haïtien gagne un peu et BMPAD gagne un peu. C'est la compagnie privée de BMPAD. Ah. Et ça fait toucher tout comme ça. Ça contrôle. Bah, bah, là, on fait. Non, on a gardé. On a gardé, on a gardé, on a gardé. Par contre, même d'où, c'est BMPAD est le gérant de cette compagnie-là, c'est pas le DH. Vrai ou faux? Non, on traite de sécurité énergétique qui était faite. Entre haïtien et qui en est. C'est que tu es contre la sécurité énergétique pour accord Petro-Caribe. C'est une société mixte qui a géré la question centrale de Chavez. C'est Carrefour, nous arrivons avec trois centrales. Et maintenant, qui ne pratique pas indépendante de EDH. Ouais. Et nous-mêmes, nous pas. Qui est-ce qui s'est inquiété de ça? Traiter ça que bien là. Là où la piquance, c'est l'information qui vient d'information. C'est un problème, mais c'est tout. Où va chercher le Mon qui s'y est passé. À chercher le cas chinois. Premier ministre Belize. Sénateur. Premier ministre Belize et vice-président du Conseil d'État de la République de Cuba. Premier ministre Belize. Quelle année encore 2006. Le traité est supprévalu, mais là, le contrat de. Non, ça c'est. Ben, ça a été défini comment il est. Ok. Maintenant, bon, société mixte, on a arrêté de sortir. Création société mixte. Ok, société mixte, c'est qui est-ce qu'il a dedans? Bah, au lieu là. Venezuela. Venezuela. L'État haïtien et BMPAD. Si je ne me pas trompé, BMPAD gagne 2%. C'est pas pour une convocation, monsieur le César. BMPAD gagne 2%. C'est pas pour une convocation, 2%. Et c'est lui fait toutes les pensions pour le compte de l'État. BMPAD? Oui. Mais et ceci, et qui dépense les non, lui-même, il paye 10 millions de dollars à l'année pour faire la supervision. Et bien, pas de faire toutes les dépenses. C'est ça ou c'est pas ça? Vas-y, que je veux dire. Je veux 10 millions de dollars pour faire la supervision. Pour faire la supervision. USD, c'est ça? Mais est-ce que on rapporte produit bah dominicain. Non, le type est coréen. Ah, mais okay. La compagnie est enregistrée en République dominicaine. Ça me capable de dire aussi ça. Ça me capable de dire que nous connaissons même. C'est que décider peut-être facture, la correspondance que moi je vois de. Un pas qui dit de dépenser tant pour EDH. Elle dit chaque fin d'année, il fait bilan, il dit mais quantité quoi pour EDH, c'est de la dette. Ou pas qu'on est pas. C'est bien pas. C'est pas ESD, c'est bien pas qu'on nous met en place. Alors, si je commence, en janvier 2008, nous avons signé un contrat suite à un appel d'offres. Avec entre la Société Générale d'Énergie SA, donc la Sogener, et l'État haïtien, représenté par le ministre, et l'électricité d'Haïti. Les clauses de son contrat sont assez. Donc,
je vais vous laisser ce contrat. Merci. Et vous pourrez faire référence. Le point essentiel de ce contrat, c'est que la facturation que nous faisons est basée sur deux éléments. Et le premier élément, c'est ce que nous appelons la capacité disponible, qui nous rembourse pour les investissements que nous avons faits, pour remettre en état la centrale de Varaul, les centrales de Varaul, Varaul 1 et Varaul 2. Il faut vous dire que je ne suis pas propriétaire de cette centrale. Mon contrat arrive à une date limite, je dois remettre la centrale à l'état, en bon état de fonctionnement. Contrairement aux autres personnes de ce secteur, l'État est plus mon partenaire qu'il est mon client. Et même les réparations que je dois faire, j'ai dû faire dans cette centrale, j'ai dû prendre l'autorisation de l'État. Parce que les centrales lui appartiennent jusqu'à aujourd'hui. Donc, et le contrat prévoit donc que j'ai une partie de la facture que je donne, qui est le remboursement de nos investissements, et une deuxième partie qui est le coût du fuel avec les indexations. Il se trouve que l'État a pris la précaution dans ce contrat de dire que je suis obligé de m'approvisionner en fuel pour ne pas mettre une pression sur le volume de fuel disponible sur le marché local. Parce que vous imaginez que nous utilisons presque 500 000 gallons par jour. Si nous devons aller dans le marché normal, on va causer des problèmes. Intervient à ce moment-là une lettre de garantie que l'État haïtien m'a donnée à travers la Banque de la République d'Haïti pour dire que quand je présente mes factures à l'EDH, l'EDH a 30 jours pour les examiner et de les transférer à la banque pour paiement. Théoriquement, l'EDH est censé me payer, mais la banque étant la garante de cette autorisation, je parle de la BNC me paye et se fait rembourser soit par l'EDH ou par la Banque centrale qui a émis la garantie. Sans faire de commentaires ridicules, l'EDH n'a jamais été en mesure de le payer, donc j'ai toujours été payé par la BNC qui me payait, elle, dès que la BRH payait. Et les choses allaient très bien. Maintenant, j'achetais du gasoil de la BMPAD pour faciliter le client qui ne voulait pas que je mette une pression sur lui avec mes devises. Donc, je me disais, vous pouvez acheter votre fuel. Et je payais mon fuel chaque fois que je l'achetais. Maintenant, il se trouve que, après l'élection du président Martelly au pouvoir, on a eu un nouveau ministre des Finances qui a décidé, lui, d'un jour, subrepticement, de changer la donne. Et monsieur le ministre des Finances, le Mercier Georges, a écrit une lettre à M. Charles Castel pour lui dire que de ne plus procéder au paiement soumis par la firme Sogener sans autorisation préalable. Ce qui a valu que le gouverneur de la banque m'a écrit, ce qui a valu une lettre de protestation de ma part, disant que c'est une garantie irrévocable de confirmer. Si j'étais une firme étrangère, est-ce que vous auriez l'audace de me faire ce que vous m'avez fait? Vous l'avez fait à Ipawa et vous avez payé le prix. Mais étant un bon citoyen, je me suis réservé le droit de me plaindre plus tard. Donc, voici la correspondance avec la banque. À ce moment-là, après peut-être, donc ils ne m'ont pas payé, après peut-être deux mois, toujours le président Martelly se retrouve dans le blackout. Et nous appelle pour nous dire, mais pourquoi vous ne fournissez pas? Je dis, parce que vous n'avez pas de fuel. Et à ce moment-là, il appelle la BMPAD pour dire, bagaz. Bravo, bagaz. Et quand j'envoie ma facture à la fin du mois, je déduis le fuel qu'on m'a donné. Et je ne suis pas dans la cuisine du gouvernement. Je ne sais pas comment ces gens-là s'arrivent. C'était plus facile pour le gouverneur de la banque de me payer seulement la différence. C'était plus facile pour le ministre des Finances de dire bah, il voit. Et ça ne faisait pas monter le coût de la subvention de l'EDH, puisque ce fuel était payé par BMP. Maintenant, c'était la facture de BMP. Et aussi mon état de compte avec le BMP. À la date d'aujourd'hui, alors, le 30 juin 2017, on n'a pas encore la facture de juillet, l'EDH me devait encore 3 808 747,27 $. L'EDH, je n'ai pas de contrat avec l'EDH. Je facture l'EDH. Mon contrat est avec l'État haïtien. En ce qui me concerne, le BMPAD, c'est l'État haïtien. Quand le BMPAD me donne du fuel, il me donne un compte
du ministère des Finances. Est-ce que le PMPAD pourrait me donner pour 170 millions de dollars de crédit, 189 939 250 dollars de crédit? C'est que j'ai un accord avec. Ça n'a pas de sens. Si on dénoue depuis le premier semaine, le premier dîner, on ne donne plus. Mais maintenant, c'est sur les instructions du président de la République et du gouvernement qu'on me donne. Maintenant, il se trouve qu'il y a une dette croisée entre la souveraineté et l'État. Mais l'État, ce n'est pas le BMPAD. C'est l'État, c'est le ministère des Finances. Vous m'avez payé au fioul. Mais le contrat, c'est signé entre souveraineté et quelle institution? Le ministère des Finances et des Verbes. Finances, au préalable. Mais quand le ministre a changé, donc qu'est-ce qui est censé être le contrat maintenant? Toujours le ministère. Le même contrat tient. Le même contrat tient. Donc c'est les modalités qui ont changé. Qui ont été changées par lui, par le ministre des Finances. Par le ministre des Finances. Ils ont commencé à payer au fioul, de Paris. Mais comment pour le contrôle, comment on procède? Donc c'est le DH qui doit vous avaliser pour que l'État puisse vous payer. Normalement. Parce que le contrôle se fait avec l'EDH. Oui. Donc l'EDH reçoit le bonjour du BMPAD qui est déduit de ma facture mensuelle. Et puis la banque centrale me paye la différence. Ok. Vous comprenez, les étapes mensuelles. Mais le premier contrat a été signé par quel ministre des Finances? Ça date de quelle année? 2006. L'équipe de Jérôme Lombrose qui était directeur et les Haïtiens étaient représentés par Fritz Adrien et qui était ministre des Travaux publics et M. Marc-Henri Bazin qui est ministre des Finances. Je suis facturé. Mais pour dire ça, M. Vogt, vous ne pagnez contrat. Mais c'est un problème qui vient de faire que nous tentons de résoudre autrement. Ce n'est pas inscrit dans le contrat. Non, ce n'est pas inscrit dans le contrat. Le contrat dit que je dois m'approvisionner en fioul. L'État doit me payer en cash. L'État n'est pas assez de cash. Il a décidé que la paye en fioul. Je t'en démunition. C'est une chose qui est comprise dans le cadre de modalité de paiement. Le seul problème qui peut se poser à ce niveau-là, c'est... Il devait y avoir un autre contrat. Il devait y avoir soit des clauses. Nous sommes tout ça. J'ai refusé de voilà, signer ça. Voilà, il doit aller changer le contrat. Le problème qui se pose maintenant, c'est comme si nous venions marcher illégal là. Parce qu'il vient un deal, on entente sans contrat. C'est en tente de venir. On commence à me donner un général. Ça veut dire que des considérations spéciales qui viennent par un temps de cadeau. Qui est ça, qui est ça? Entre les compagnies et l'État. Parce que, en principe, si l'État est payé normalement, maintenant, sous besoin de vérifier, il n'y a qu'à vérifier. Mais maintenant, qu'on y a un problème dans le paiement, l'État vient décider pour vérifier. Maintenant, qu'on y a, faut, automatiquement, l'État a changé modalité, il faut le contrat ait changé. Le contrat n'a pas changé. Ou une barrière référentielle, qu'on y a, pour contrôle rigoureux. C'est-à-dire que je dis à souffler qu'on contrôle. Dans la relation entre l'État et groupe là, il y a des difficultés. Je ne sais pas. La facture, elle est établie à partir de quoi? Voilà, la facture que le BMPAD m'envoie, c'est à partir du fioul qu'ils ont livré pour moi. Et moi, ma facture à l'EDH, ça ne parle pas de fioul. Ma facture parle de kilowattheure. C'est tout ça le problème. Donc je dois facturer le kilowattheure que j'ai donné à l'EDH ou qu'ils ont pris. Maintenant, mais c'est vous-même qui payez BMPAD directement? Non, même pas payé. Si vous vendez 10 millions de dollars, par exemple, et que je me dépense pour 5 millions de dollars fuel, l'homme fait, vous voulez vendre 10 millions de dollars, moi il déduit que le ministère des Finances vend 5 millions de dollars fuel. Après la facture. Ok. Kounia, le même pas, lui-même, pas touché. Lui-même, je suppose qu'il faut mettre ça sur le compte du ministère des Finances, puisque c'est pas moi qui ne vais pas livrer. Parce qu'il faut comme ça venir. Lui, il est rentré pour l'État. Il faut le rentrer dans le trésor. C'est comme ça qu'il est en dehors du budget national. C'est comme il vient d'un coup son BGI. Quand prend l'argent, il faut le rentrer dans le contrôle. C'est clair que c'est un montant qui rentre en dehors du budget. Il n'est pas dans le contrôle général. Quelque part, si on fait le budget, je suis tout à fait de votre avis. Et quand j'ai eu la visite des gens du Fonds monétaire, ils m'ont demandé pour qui ça que nous pas éliminer des croisières.
disait pour moi, il a trop compté éliminer le demain matin. Nous finissons avec ça, on retourne à l'ancien système. Parce que moi, je suppose que j'ai un contrat à M. Jamaï, qui me dit clairement, voilà, donc, mes quantités fuel à Baou, mes quantités de kilowattheure, qui vous-même m'ont fourni, si gros problème, quantité de kilowattheure à Bavini, nous connaissons en termes de différence de temps. Mais c'est là qu'on n'a pas gagné écrit. C'est vin pas gagné écrit. Et l'agent, ça, c'est lui qui a cherché. Nous n'avons pas joué côté l'entrée dans le budget national là. Il n'est pas entré dans le budget national. Il n'est pas garanti. Pas gagné l'argent. C'est ça m'a traité avec Affaires étrangères. Affaires étrangères qu'on compte qui va rentrer dans le budget national là. Parce que il y a un seul budget. Il paye normalement. Il paye normalement. Il paye normalement et puis pas même un contrat sur lui. Ça veut dire que même BM pas nous pas qu'à contrôler. Eh bien, monde qui campé ça, monde qui était campé ça, c'est faut bah nous les explications. Il n'y a pas de contrat. Bon, M. Valdemar, aidez-nous, éclairez-nous. Bon, si vous entreprise que vous faites, vous donne pas c'est presque toute direction. Et c'est des dossiers que on connaît très bien pour avoir travaillé dans différentes directions. Et m'accoucher de temps en temps. Maintenant, en tant que directeur général, il y a un contrat qui existait entre l'État haïtien et son gédère pour vendre de l'électricité. Tout détail inclus dans le contrat, qu'il y a une certaine quantité d'énergie mensuelle qui travaille avec un rendement spécifique. Avec une quantité d'énergie ça, que n'a pas acheté, qui correspond à une certaine consommation, une limite qui définit dans le contrat qui dit mais qui j'ai un rendement envoyé. Parce que vous avez un moteur qui a marché, il consomme en pile. Elle dit qu'il consomme hors norme. Elle dit qu'il soit gagné des défectuosités à l'intérieur, etc. Et c'est ça qui fait nous fixer, on a fixé dans le contrat on limite. Pas exagéré. Elle dit nous dit mais qui rentre. Elle dit fort moteur en bon état pour ne pas consommer trop de gaz. De même, chaque mois, ça nous fait dans le contrat, c'est que nous exécutons ça contrat. Les factures du gouvernement, il y a des entités en EDH qui sont supposées contrôler en fonction de sa contrat. Quand on a des échanges avec ce génère, c'est pour que nous d'accord ça, nous d'accord ça, clarifier des comptes. C'est nous-mêmes qui gardons techniquement ce qui s'est passé suivant le contrat. Donc c'est tout. Maintenant, et des fois, il y a des paiements qui compte fait, EDH pas même connaît. C'est les dépenses qui fait pour EDH, EDH pas connaît. Maintenant, il y a des informations que nous avons besoin. C'est drôle de choses. C'est EDH pas connaît. C'est ce génère que nous demandons. Non. Ça veut dire qu'on travaille de compilation que nous faisons pour entrer dans le système de comptabilité, nous, pour garder le coût de production, nous, pour garder qui s'entreprise à côté nous. Et transactions faites hors EDH. Or EDH. Oui, mais c'est où qu'a régulé. Ça veut dire que c'est quoi de transmission. C'est EDH. Comment on le fait en dehors de EDH? Parce que le contrôle, c'est EDH. Hein? Est-ce que quantité de production est normale au regard de ça qui est écrit dans le contrat? Si ça nous garde. Est-ce que et ça que nous devons offrir ce génère comme, par contre, comme possibilité pour permettre de fournir nous, c'est nous-mêmes. C'est que tout dossier, c'est nous pour valider avant que l'État rentre là-dedans. C'est EDH qui carrefour, qui couvre la transmission entre ce génère et l'État. Si vous comprenez bien, c'est ça le tadoué. Maintenant, ou pas grand cas fait dans le cas, en ce qui a trait à l'électricité, production d'électricité, en dehors de EDH. Est-ce que l'ESA a trouvé que son problème y est? Comme mon matel ou même comme directeur, c'est directeur général. Écoutez, même Madou, qui ça, ou dit ça qui, comment t'as dit fait? Ça nous fait. Ça nous fait. Maintenant, nous disons, ça qui fait. Nous-mêmes. Vous trouvez ça que fait anormal? Non, non, je ne vais pas juger. Non, en tant que directeur, vous avez des bagailles qui régissent le fonctionnement. Institution qu'on dirige. Si un bagaille est fait en dehors des normes, moi bien placé pour me dire le fait en dehors des normes. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça qui fait là, il est bien fait ou bien mal fait? Parce que son problème, c'est qu'il faut qu'on acquiesce pour me référer. Pour bien cerner. Et nous-mêmes, faut nous conclure, faut nous proposer. Maintenant, si il n'est pas fait avec vous, vous trouvez-le normal,
Ça veut dire que si nous avons approfondi, ça va pour continuer à approfondir. Si vous trouvez anormal, maintenant il faut mal chercher pour qui ça est anormal. Je ne sais pas si vous bien tenez moi. Très bien. Ok. Juste observer dans ça, dans le papier que. Qui l'a eu. Qui l'a eu. Ou apporter correspondance qui gagne BNC, etc. Monsieur DDH. C'est un système à fonctionner, un système à fonctionner. Pas monsieur DDH. Pour correspondance là, c'est combien on va pas prendre. Comment vous vérifiez dette là? Effectivement, c'est dette à guerre. Puisque le bras technique, c'est vous. Nous-mêmes, chaque fois que nous recevons les factures en fin de mois, chaque fois que nous recevons les, nous faisons tout le calcul pour nous faire, nous disons ça, ok, ça va, ok, point. Après, nous ne pouvons pas prendre. Vous voulez la banque? Bah, vous voulez la banque? Vous voulez le ministère de la République publique? Okay. Le ministère de tutelle, loin. C'est tout qui transfère le ministère des Finances. On ne sait rien. Maintenant, la démarche nous, pour nous renforcer le système de contrôle là, nous on a fait suivi. Est-ce que la direction financière, par exemple, toujours a demandé quelle information qui sorti, qui s'est payé, qui s'est pas payé. Des fois, vous payez, nous pas connaître, mais vous payez. Maintenant, sur base que vous payez là, si c'est les factures, parce que nous ne connaissons pas. Maintenant, facture, ça ne va pas dire de façon certaine, les factures, okay, lorsque vous venez, nous contrôlons tout aspect technique en référence à contrat. C'est tout. Au niveau IDH. Ok. Alors, on va parler de contrat. Non, pas contre notre chien. Alors, on va parler de contrat qui vient entre Sojourner et l'État haïtien. Oui. Ok, mon bon coup, ou bon close contrat, ou bien contrat ça dans mon qui permet que vous-même ou oui. Vous faites travail oui, supervision. Oui, alors, EDH font travail de supervision en dedans. Oui, vous avez d'autres questions disponibles pour nous. Maintenant, ça, comme on dit, en résumé, des fois. Au mal donnage. Des fois, non, pour être clair là pour moi, des dépenses, des transferts de fonds qui fait, etc. Si, ou bien c'est là que tout avant moi, des fois je ne pas même rien. Ça veut dire que je ne pas connaître. Mais vous sanctionnez avant la banque. C'est une facture. Oui, c'est ça. Ça veut dire que. Parce que ça paye. Non, c'est où pour dire la banque, les doit payer tant parce que contrôle l'électricité. C'est où? Ni bras technique, en termes de contrôle, soit par de comptabilité, l'État doit EDH. Parce que tout EDH pas validé, l'État pas droit qu'à payer. Parce que le monde qui fait le contrôle là, c'est lui qui connaît est-ce que tout ça que tu dois respecter comme principe respecté. Est-ce que la quantité de kilowatts ça, que tu dois fournir, le fournil, à qui prix le fournil, le montant total dans le temps, et puis il dit à l'État, voilà, ou en droit, ça, pour payer tant. C'est la mienne. Le président va pas comprendre. Ok. Mais ça, vous voyez tout. Ça, c'est exactement ça. Qui t'a dû faire. Non, c'est ça qui fait peut-être en partie. C'est bon. Lorsque facture vini, nous fait tout contrôle technique yo, en fonction du contrat. Maintenant, le nouveau est allé. Nous pas qu'on a rien. C'est ça, il n'y a pas de gagner autour. C'est ça, le fin avec. À partir du moment que EDH. À partir du moment que EDH. Vous n'avez pas qu'on est. À partir du moment, ça veut dire que, M. Valdemar, à partir du moment que EDH. Pas de aucune objection. Ils vont un document aller dans le ministère. Ils exécutent. Dans le ministère, travaux publics. Mais nous, on ne pas connaît. Nous, pas connaît. Nous, par contre, ça passe. Ok, c'est ça, pas de travaux publics. Pas de retour sur. Si pas de retour, comment nous pouvons faire contrôler les dettes? Non. Non, mais quelque chose. Si pas de retour, comment on a fait contrôler les dettes? Non, c'est ça. Qui est la effective? C'est ça, me dit que, au niveau direction financière, hein, c'est nous qu'on a cherché l'information. C'est le retour là, c'est pas pour approbation, non? Comme le DRG, la facture. C'est si nous besoin c'est l'information que nous avons. C'est pas pour à bloquer ou pas bloquer. On va aller avec le président qui va nous passer en autre. Question de contrôle d'énergie. Il y a un peu d'exigence qui fait, etc. Et qu'on ait des discussions, compteur bon, compteur pas bon, et des compteurs et à distance, et barre de fond eux-mêmes, et qu'on nous en pile pression, pour fiabilité information. Parce que là, pour dire ou consommer tant kilowattheure, information ça extrêmement, extrêmement important. C'est lui-même ou pas le multiplier par quelques centimes pour avoir de l'argent pour avoir des millions de dollars. Ça là, faut l'important. L'important, faut que à la source, faut que l'information de base soit correcte.
Il faut le correcte. Maintenant, il y a toujours un peu de discussion dans la question de ça. La Banque mondiale fait exigence parce que la Banque mondiale BID travaille de concert avec l'EDH. Mais même dans ce sens, pour ce problème qui existait toujours, quand fait par l'empile, soit on dit gaz a perdu, il y a moins d'énergie que vous bas, etc. Même pour couper quoi à tout ça, en décembre 2016, on fait sortir une nouvelle liste, on appelle la manifestation d'intérêt, un numéro là, etc. Nous avons sous-traité question ça. C'est-à-dire, nous avons sélectionné une firme de contrôle des producteurs indépendants d'électricité. Maintenant, trois tâches principales que vous avez visées, c'est contrôle instantané et à distance de la production d'électricité et de la puissance disponible de chaque groupe, de chaque centrale. Et toute centrale du monde. C'était Port-au-Prince, c'était un bon sens. Contrôle de la consommation du carburant effectivement utilisé pour la production d'énergie. Là, on a bien compris là-même. Vous déjà écrit le contrat même pour aller contrôler encore. Même faut me contrôler. Le contrat me dit qu'il faut vous produire 61 MW, 61 MW par temps de galon. Écoutez. C'est quoi ça me facture? Quel est le moteur pour qu'on arrive en service? Je me dépasse, mais je ne peux pas facturer plus. Quel est le fait que le service me fait un bénéfice? Donc, Walvin dit, ou qu'il le contrat, ou gérer, ou dire, voici l'efficience que tu demandes. Si je ne peux pas ou ne pas contrôler deux fois. Écoutez. Tu as besoin d'une objection là de moi. Bon, tu as très bon. Troisièmement, suivi de la mise en œuvre des travaux de maintenance préventive et corrective effectués dans la centrale. Avec des programmes d'entretien, etc. Ce n'est pas écouté excessivement cher. Et puis quatrièmement, c'est accomplissement de toutes tâches connexes nécessaires à la bonne gestion des contrats d'achat d'énergie. Mais qui peut se superviser? C'est Michel. Monsieur va être contrat avant. Tu peux écouter. Ou tu peux qu'à forcer monsieur Sien. Qui est-ce qui va être contrat? Monsieur Corée a payé des frais à voiture. Les cafouillots. Il n'y a pas un contrat. Venez jouer les contrats, j'en ai l'état. Et film Corée, il va être contrat. Avec ou pas, du si à Venezuela, ou même juste payé. Sauf qu'il y a un contrat, peut-être chargé. Elle dit que depuis le fond, il va de EDH, aucun rapport. Il va jamais barrer, n'est-ce pas? On va garder nous. Dis qu'on va garder nous. Non, nous pas de gestion ça, du tout. Pas de gestion ça. Le bouton, c'est au payé. Vous payez. Vous payez pour moi. Vous payez pour moi. Pas de problème. Le dit. Non, c'est ça, mon nom. Ah, pas pour acheter chez Gagot la BMP, c'est pas ce génie, il parle. Acheter chez Corée, c'est la Gagot là. Après, le même du feu. Ok, monsieur, oui. Et nous, clés sur ça, ça veut dire que pour TSN, les questions, ça parce que EDH n'a pas un système parfait, il y a des bails qu'on a amélioré. Nous avons pris l'initiative, ça, en décembre 2016, comme de son dossier, que nous quittons qui est en cours, que nous avons supposé arriver là, pour que. Et on a une question n'importe côté aux États-Unis, n'importe côté sur la planète là, au point cellulaire, au garde de production, consommation, tout bas, ça. Yeah. Et t'as gagné beaucoup plus de transparence à donner. Ah, et oui, puis, au bout même là, avec la transparence. De façon caméléon. C'est même pour une fois, on connaît un problème, ça existait. Problème. Problème. Et bien pas qui va toucher. La maman prend ça. Je meurs. C'est la maman prend. Pas bonne maille. Que même pas de pas toucher. C'est les mêmes, ou même si a fait pour un réglo. Pas pour ça, ça m'a pas. Vous êtes gestionnaire du contrat pour l'État. C'est pas aussi un contrat, vraiment. Moi-même, j'ai un problème, je ne vais pas parler de monsieur, mais après les ministres. C'est compliqué. Non, mais en tant qu'il fait là, il ne pas même qu'on est même. Non, le problème qui pose, c'est qu'il y a un problème de procédure. Problème, d'abord dit, d'administration pose. Mais il commençait sous le gouvernement Matéli parce que avant il était en fait il était demandé au niveau côté là où il est là. Non, sous Matéli le gâte net. Pour qui ça le gâte net? Pour le marché totalement illégal. Pas que mon gagne dans pile dans là. Illégal. Pas que mon gagne comme papier dans là non. Parce que premier contrat il est tombé avec l'aide de le Mercier. Maintenant vient pas un nouveau contrat. Non, premier contrat va tomber. Il va tomber.
demandé pour lui ça dit là dans pour ta contrat à tomber, tu as obligé de gagner un autre contrat. Qui vous a dit que l'année est pour des contrats. Non, mais songez bien que je suis ministre des Finances. Non, ça dit que. Salement des fêtes, là, le fait. Il n'est pas inscrit nulle part. Sinon, on l'a inscrit. Il faut pas illégal. Non, il m'a dit qu'il n'est pas inscrit dans le contrat. Mais si ça me dit qu'il n'est pas illégal. Parce que pour mes bagages, tout ça est venu. Pour Avna, sur le contrat. Le contrat initial a dû modifier avant. Maintenant, le contrat initial a toujours été Julio, pas vrai? Ouais. Maintenant, vous n'avez pas un contrat. Pas les sous-gros, vous n'avez contrat. Si demain matin, il y a un conflit quelque part, ce n'est pas le ministre des Finances qui va parler, c'est un contrat qui va parler de devant le tribunal. Mais en termes de exécution, les différents. Différent de ça, c'est différent, ça veut dire que une transition entre contrat initial là et ça que tu as de fait. Le ministre des Finances dit ma PO si ma vie paye. Mais ça même vite, mon vide. Ma PO si ma vie paye. Maté dit continue baï courant dit baï quoi vinn baï contrôle bagage Julio vinn baï contrôle vinn baï contrôle vous faites ça pas un contrôle la production en tout c'est que monsieur Jean-Marie lui-même comme si s'il baï quand c'était contrôle de baï là il juste baï là bon citoyen parce que c'est pas qu'on est exactement ça qui a passé là l'argent pas rentre côté ou ca référer au gros problème comment nous carré ce problème ça EDH. Monsieur, est-ce que EDH parle? Une nouvelle fois. Je ne suis pas propriétaire de la centrale, je gère une centrale pour le compte de l'État. Même si malgré le contrat, l'État dit mais bah, courant, c'est même si vous dites aussi que le gars privé, vous voyez de l'eau debout. Bah, moi, de vous, quoi, vous ne pouvez pas le payer. Basé sous contrat que moi-même, moi pensais qu'il y a une validité jusqu'à ce que preuve du contraire. Je ne suis pas avocat. Maintenant, j'ai toujours dit, quel que soit, j'en vais changer contrairement. Je suis ouvert. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans mon contrat? Par exemple, le directeur avait fait au changement de la méthode pour que l'IGRE efficience moteur. Il me paraît problème. Nous voilà changer. Nous avons un contrat qui dit que m'oblige à importer fuel. De temps en temps, le ministère des Finances, bon, mon problème, il dit acheter fuel local. Il dit premièrement, ce n'est pas contrat. Après, deuxièmement, c'est une bêtise monumentale. Vous voulez même payer fuel à pichet. On change le contrat pour mieux en faire fuel au pichet. Je ne vais pas acheter fuel là, sur le, ma facture au fuel là, sur le prix international, et vous dites c'est plus cher avec Total pour ma, ou bien Dinasa pour ma là-bas. Donc, si je veux que vous là, non, vous faites plus comme. Je me dis, bon côté, je ne vais pas comprendre. Mais si, vous ne va pas comprendre. Parce que l'État a le droit de changer. Mais changer le contrat là. Ou pas qu'à dire, il faut m'acheter fuel là, mais Dinasa, là, qui est obligé de facturer sur le prix international là, qui a une différence de 15 centimes le kilowattheure. Et qu'on y a. Vous connaissez que les conséquences de ça vont être que le prix courant va monter. Bon, l'EDH a 20 courants à 14 gouttes, il va l'acheter à 12 gouttes. Donc, on a fait 2 gouttes par kilowattheure, il facture seulement 40% de sa production, parce que ce n'est pas un compteur. Le 40% touche 70%. Donc, on a fait que l'EDH en plus faillit de bon. Je comprends bien que la moindre prix augmentation, ça les minimum, la moindre prix, c'est même 14 gouttes de l'EDH. Écoutez, facturé, depuis 20 ans. Écoutez, toujours. Je n'ai pas ajouté un bagage, c'est que les dispositions que nous prenons là, il n'y a pas rien dans le contrat qui est imposé, moderniser, moins de contrôle. Moins de contrôle. Yeah. Ça veut dire que nous sommes capables de gagner des compteurs qui sont électroniques. Si contraté dit mécanique, maintenant ma gain, on base sur ma pompe base de fesses, on capable de parler. Non, mais je contrôle. Oui, d'accord. Vous la fait. D'accord. À 100%, ma bain d'eau. Mais ma bain, comme contrat dit que son juge de paix qui vous fait constat. N'a qu'un peu de juge de paix. N'a qu'un non, juge de paix. Pas un problème. Vous mettez tout internet que vous voulez, mais juge de paix. Mais notre référence. C'est nécessaire. Oui, on va comparer. D'accord. On ne peut pas arriver à ça. C'est récemment, pas l'eau de la présidente. 25 décembre 2016, processus pour paraître un journal, pour faire ceci, même qui était en mars. Ensemble, rendez-vous qui permettent, je dirais, de passer dans.